Hey YouTube, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley. Dès que le loading finit, et voilà, on est rendu le 9 de l'été. Il fait beau dehors. Demain va faire encore beau, c'est l'été, on en profite. Donc, comme d'habitude, on va commencer par s'occuper de nos chiens. Et pendant que je m'occupe de nos chiens, dites-moi en commentaire si vous jouez au jeu. Si vous jouez sur mobile, est-ce que vous êtes rendu environ là dans votre aventure? Ça m'intéresse. Et on va commencer par remplir l'arrosoir, parce que sans eau, on arrose rien. Il me semble prête les plantes qui sont là, mais je les collecte pas. Fait qu'on va attendre encore un peu. Déjà plus d'eau, ça commence bien. Tiens, je pense que ce côté-là, il est bon. On va pouvoir remettre ça là. On met ça ici vite fait. Parfait. On va aller nourrir les poules. Coucou, coucou, coucou. Ma petite collecte d'œufs. Voilà, on met de la nourriture d'un coup des fois. Good. Puis je suis plein. Parfait. Oups, les œufs, ils vont là. Good, good, good. Hein? Là, on commence à vraiment être à court de minerais, fait qu'il va falloir commencer à s'investir un peu plus dans la mine si on veut avoir des arrosoirs et automatiser notre ferme avant la fin de l'été. On va faire un petit tour dans la mine, on va aller voir notre grand chum Linus. Il est chez eux? Ah, il est là. Hey Linus, c'est un cadeau formidable. Merci mon ami. Il y avait un petit légume, on aurait pu le prendre. Je vais mettre ça comme ça. Et c'est parti. Okay. On utilise les petits monstres. Eux, ils donnent bien du charbon. Fait que ça, c'est cool. Ça aurait été pas pire. Une petite bombe ici. On va aller ramasser les minerais qu'on voit.
Un petit jet de gelée, ça c'est cool. Ah, on va aller prendre les ressources avant de descendre parce qu'à base on est ici pour les ressources. Je me rappelle pas de la chance qu'il nous disait aujourd'hui, mais je pense qu'on est une journée chanceuse. On voit les ressources qui apparaissent comme ça. On va aller prendre les petits cadeaux dans les boîtes. Tiens, ressources. Good. Nice. Plein de belles ressources. Là, j'ai vu qu'on a ramassé un peu de cuivre. J'ai eu assez pour faire une petite bombe. Non, il faut plus de cuivre que ça. Bon, là, le jeu va nous faire casser toutes les roches parce que j'ai dit qu'il y avait trop de ressources. Les marches. Ah, puis j'ai une géode omni, ça c'est cool. Nice, plein de ressources, on aime ça. On va manger parce que l'énergie commence à descendre assez vite. Et voilà. L'étage 65. On va remonter vite fait, juste question de se faire un petit peu d'ordre là-dedans. Fait que drop de monstre, on va mettre ça à droite, minerai. De l'or, du silver et du cuivre. Drop de monstre. Drop. Roche. Les roches, on va les garder d'un coup des fois qu'à longue, on peut se faire des escaliers. Ça, c'est quoi ça? Une larme gelée. On va laisser ça comme ça. Ça a l'air bien parti. 65. On va regarder vite fait. Il n'y a pas l'air d'avoir de ressources. Oh, nice. Ici, il y a une petite ressource là. Oh, une nouvelle arme. Fait que notre arme fait 12 à 25. Celle-là? 18 à 27. Oh, c'est meilleur. J'ai pas regardé la vitesse par contre. On va voir ça.
aussi pour amener des petits cadeaux d'un coup, des fois. On peut avoir des choses rares là-dedans. Mais va-t'en, le fantôme. Bon, on perdra pas trop notre temps avec lui. Il a l'air tellement. Nice. Une couple de baies. Juste pour être sûr que tout se passe bien dans notre aventure. Oh, un petit sac. Plein de charbon, ça on aime ça. On commence à tout briser. Oh non, 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 c'était pas là que je voulais la mettre. Oups. Ouais, tant pis. Et c'est pour ça qu'il faut pas se promener avec une bombe dans les mains. J'ai vu du fer par là. Des cadeaux. Les pierres. Et le cadeau de l'étage 70, c'est bien. On va jeter les trucs de chauve-souris. Parfait. Good, good, good. Je peux faire ça demain. Ça, j'en ai pas de besoin tout de suite. Ça, c'est quoi? Augmente votre rayon de collecte d'objets. Oh, j'aime bien ça. Puis ça, c'était quoi? C'était pas bon. Ok, ça, on va le mettre ici. Ça, on va mettre ça là. Ça, on en a pas de besoin tout de suite. Ça non plus. 4 de bois, on peut laisser ça là. Cool! Et on ramène ça à la maison. Oh! Petite cutscene avec Linus. Voir Calais, viens t'asseoir près du feu, ça fait du bien. Mais bien sûr, Linus, c'est sûr qu'il va venir chiller avec toi près du feu.
J'espérais que tu viendrais me voir un jour. Je viens te voir à tous les jours, Linus. C'est quoi qui se passe? Je voulais m'excuser d'avoir été si méfiant envers toi quand nous nous sommes rencontrés. La plupart des gens me traitent mal, alors j'ai appris à être méfiant. C'est correct. Je suis un être unique. Je le sais, Linus. Ma maman me dit aussi que je suis unique. Et ton amitié compte beaucoup pour moi. Oh, c'est gentil, Linus. Je veux te montrer quelque chose. Tant que tu sors pas ta... tout va bien aller. Des appâts spéciaux pour la pêche, chaud. Oh. Appât sauvage à prise. Merci, Linus. Maintenant, nous savons faire des appâts de spécial pour la pêche. Ça vaut la peine d'être ami avec Linus. Il nous apprend des belles choses. Steak d'insecte, c'est ça? Appât sauvage. Slime, viande et fibres. Ah! Pas si pire sa recette. On va mettre un peu de fer à cuire en attendant. Déjà des glaçons là. Good. Ah non, je peux la mettre là en attendant. On met un troisième coffre ici. Cool. J'ai besoin de faire d'autres choses pour cette lame. Je peux me l'enlever. Je vais essayer d'avoir un peu d'argile vite fait en labourant la terre. Utiliser un peu notre énergie avant le dodo. Et voilà. Good. Oh, bébé chat est dans notre lit. Bon, faisons dodo avec bébé chat. Extraction minière niveau 5. Je pense que plus un minerai par veine. Je pense que moi j'aime mieux ça. Donc, la météo. Il fait beau et demain il fera beau. Parfait. Les esprits sont très heureux aujourd'hui. Oh, peut-être une autre session de mine. Et c'est parti, on arrose le tout.
déjà plus d'eau. Commencer par l'autre bord. Faire un petit coucou aux poules, une petite poulette. Oh, gros œufs, ça c'est bien. Tiens, fait que tout ça c'est monté. J'ai une hache en cuivre. Est-ce que j'ai 5000 d'or? Non, même pas. Ok, fait qu'on va attendre. Une petite lettre. Demain, nous avons un rassemblement fête hawaïenne à l'île de Pékin. Meilleur moment, pas de moment, est la soupe communiale. Pensez bien à apporter quelque chose de délicieux. Ok, demain, il y a un petit événement. On a une couple de légumes qui traînent par là, fait que ça va faire la job. La hache, ça va aller à demain. Alors, je pense qu'on va-tu directement dans la mine? Ah oui. Ça va être une journée de mine. On va pas oublier d'aller dire un petit coucou à Linus, notre ami. Ça, c'est une belle échelle. On se balade, on regarde s'il n'y a pas vraiment déjà des ressources. Ou une échelle. Mais comme que j'en vois pas, on va commencer à briser le tout. Oh non, pas un slime. Ouf! Échelle, des cadeaux. Un autre 5 étages de fête.
aux squelettes. Hein, ici, il a l'air d'avoir plusieurs squelettes. Il y a déjà une échelle, fait qu'on va la prendre. Une algue marine. On n'aura pas eu beaucoup de minerais à date, mais au moins on descend. Oh, un sac là, on va y aller, on veut du charbon. Le gros combat contre plein de squelettes. Non, on les a eu. Ma vie, elle a pas aimé ça, mais on les a eu. Il reste juste lui. Good. Je pensais qu'elle allait me donner une échelle. Mais on va la chercher. On va la chercher, ça n'est pas grave. Manger une coupe de baie par contre, c'est juste pour être sûr. Et voilà. Il y a déjà une échelle. On est coincé, on va le laisser là. Une autre échelle. Le petit cadeau, bottes de marche-feu. 3 de défense, 1 d'immunité. Bon ben, les bottes de feu sont meilleures. Donc, on peut les jeter. Est-ce qu'on se réessaye encore pour 5 niveaux? Ah oui. Si les niveaux sont pas trop chiants, on peut. Oh, j'ai bien fait de descendre ici. Bon, ça nous a donné pas mal d'or, mais c'est pas l'or qu'on a besoin en ce moment, ça serait du cuivre. On va retourner dans les premiers niveaux. Niveau 25, on va l'essayer. Il n'y a pas l'air d'avoir rien, fait qu'on va reprendre ça. On va aller à l'étage 20. Du cuivre, c'est ce qu'on cherche.
On n'a pas pogné les meilleurs étages de cuivre, mais on a eu quelques petites ressources. On quitte la mine. Il me semble que c'est l'étage 20 pour le cuivre en grosse quantité. Ok, il veut pas frapper. Okay. Lui, il se transforme en bébite. Et voilà. Bon, on a plus beaucoup d'énergie, plus beaucoup de bêtes saumon. Fait que je pense qu'on va retourner. Ici, j'avais quoi? Je peux ramener ça, ça. Peux-tu ramener d'autres choses? Je vais laisser les algues ici pour ramener le bois. C'est tout. Pour les petits arrosoirs, il me faut des lingots, parfait. Un inventaire plein, ben oui, ça a bien du sens. Des radis marinés. On va voir ça vaut combien les radis. Mais et ça va être la fin de notre petite session de gaming, de notre 2 jours de minage. On aura bien avancé la mine. On a un paquet de ressources, donc prochain épisode, ça risque de ressembler à la préparation de ferme pour optimiser, automatiser la ferme un peu avec les premières arrosoirs. Oh, not bad pour des petits trucs marinés. Not bad. Allez, merci d'avoir regardé et passez une excellente journée. Ciao, ciao.